Bonjour, je m'appelle Manon Bréval, je suis en première année de master MEF. Donc aujourd'hui, dans le plan du module Minilab pour Maximath, j'ai réalisé un petit escalier de conversion. Donc nous avons un escalier avec plusieurs petits dés. J'ai choisi de réaliser cet escalier parce que lors de mes stages, je me suis aperçue que beaucoup d'élèves avaient du mal à réaliser des conversions dans les unités de mesure, notamment. Donc, je me destine pour des collégiens ou des lycéens. Pour concevoir mon projet, donc j'ai utilisé des plaques en bois pour réaliser les cubes. Donc c'est plusieurs petites parties qu'on vient assembler ensuite. Et pour l'escalier, donc c'est plusieurs petites planches collées ensemble, regroupées, pour former un escalier en 3D. Donc pour réaliser ce projet, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, à part l'assemblage des pièces qui est très longue. Parce qu'il y a beaucoup de dés, il y en a une trentaine, puisque nous avons les chiffres de 0 à 9 et avec des symboles qui va pouvoir nous aider dans le jeu. Donc le but de la manipulation, donc nous devons mettre les dés sur les marches d'escalier. Donc on peut mettre qu'un seul dé sur l'escalier. Donc par exemple, on va faire 54 décamètres. Et après, nous venons placer un petit dé avec un point d'interrogation pour nous aider dans la conversion. Donc, par exemple, nous le voulons en centimètres. Nous venons placer le petit point d'interrogation dans l'unité qu'on veut. Et nous venons placer une petite virgule. Et nous pouvons ensuite enlever le point d'interrogation. Et ensuite, nous venons placer des zéros pour venir jusque l'unité qu'on veut. Voilà. Et donc nous pouvons voir que cela fait 54 000 cm.